Là, c'est vas-y, bon. Maintenant, là, tu forces. Là, je tiens la oui, tour. Oui, là, là, tu tiens, oui. Ok. Oui. Allez, hop. Il est enfin temps de commencer notre périple. Nous partons du sud de la France et allons longer la Méditerranée, jusqu'en Turquie. Puis essayer de continuer vers l'Asie. C'est le grand départ, direction l'Italie. On vient de rentrer en Italie sans encombre et j'ai raté le panneau. Je voulais filmer le panneau, je l'ai raté. Je suis dégoûté. Du coup, je pense qu'on va faire demi-tour. Bien, on va y aller. Ah, je voulais filmer tous les panneaux. Quoi ? 20 000. Il y a marqué ananas là. Genova, là c'est. Genova, San Remo. Bon, bref, voilà, on est en Italie. Buongiorno, bella ragazza. Depuis hier soir, on est à Gênes. On voulait visiter un petit peu, mais bon, comme il pleuvait des cordes, on n'a pas vraiment visité grand chose. Et aujourd'hui, on a préféré plutôt accélérer et arriver aux Cinque-Terre. On a voulu trouver un spot un peu en dehors de la ville parce que là, pour le coup, à Gênes, c'était très compliqué de trouver un endroit. Ce matin, on est resté sur ce spot puisque c'était très bien. En plus, il faisait super beau. Et on va dire qu'on est sorti de là. Dans la précipitation. On était posé sur notre parking sur les hauteurs de Gênes. Oh wow, on frôle un bus. Ça passe. Et il n'y avait vraiment pas grand monde. Genre, on a vu 2-3 voitures venir promener des chiens parce que c'est des chemins de randonnée. Et vers midi, il y a une voiture, une espèce de grosse Audi là, qui passe. Avec un mec chelou dedans, il avait la casquette. Une espèce de bandana. Au-dessus du nez. Enfin, c'était déjà le style de mec, c'était vraiment très bizarre. Et il est passé une première fois, nous on a continué à faire notre truc. Il est revenu, il s'est garé et de ce moment-là, il n'a pas arrêté de nous fixer. Il n'a pas lâché le regard, on a mangé tout le long, il avait son téléphone dehors de la fenêtre. Alors je sais pas s'il nous filmait ou j'en sais rien, enfin, c'était trop bizarre. Et il n'a pas arrêté de nous fixer de A à Z pendant plus d'une heure et demie. Pour le coup, on s'est senti très très mal à l'aise. On voulait continuer à faire des trucs, mais on a plié bagages. Et on a démarré le fourgon direct. Et le pire, c'est que ça s'est confirmé qu'il voulait sûrement nous faire quelque chose. Bon, on saura pas quoi, s'il voulait nous voler ou je sais pas. Mais on a commencé à partir et 2 secondes après, il est parti. On l'a vu derrière nous, il s'en est allé quoi. Donc on saura jamais la fin de l'histoire. On a eu bien fait de se barrer quoi, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On a dormi là-bas, on voit ? Oui, on voit. Là. Et là, on est en route, on va faire une petite rando vers Naza, le premier village des Cinque-Terre. Vous voyez ce que l'hélicoptère vient de poser ? C'est ça. Et ce matin, quand on est arrivé, on s'est garé là.
et on a fait un créneau entre tous les sacs. Genre là, c'était rempli de sacs partout. Attends, mais explique-leur ce qu'il y a dans les sacs, c'est des pierres. Il y en avait vraiment, mais de partout. C'est-à-dire que l'hélico, il est venu chercher pendant que moi, je l'ai fait ouh, en bas au village. Il est venu chercher à côté de notre fourgon tous les sacs. C'est des sacs remplis de pierres, ils sont en train de faire un mur dans le village où on était là. C'est dingue. Voilà, voilà, Père Castor, raconte-nous une histoire de plus. On est à Levanto, à peu près une demi-heure de Cinque Terre. Oui, on s'est posé quelques minutes pour vous dire un peu ce qui nous est arrivé aussi. Il nous arrive que des trucs à nous, non? Ciao, ciao. Bon, mais par contre, tu suces pas à chaque deux minutes, sinon... Ça coule, ça coule. On a voulu longer la mer le plus possible, même si le GPS nous disait de re-rentrer dans les terres parce que les routes étaient plus courtes. On est arrivé à un feu rouge, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Elle a voulu s'arrêter pour prendre une photo. Alors que bon, il n'y avait rien de fou, mais bref. Du coup, on s'est arrêté. Toutes les voitures sont parties. Je suis libre ! Et on s'est remis devant le tunnel et il y avait un feu rouge devant le tunnel. Donc le feu rouge où tout le monde attendait depuis un moment. Alors, je suis pas de Marseille, mais il me paraissait long. Mais genre long, pas une minute, pas deux minutes, genre cinq minutes. Je regarde Victor, je dis, mais il y a un problème, c'est pas possible. Donc, même s'il le souhaitait pas, j'ai grillé le feu rouge, je me suis dit, il y a sûrement un problème. J'ai grillé le feu rouge et je suis rentré dans le tunnel. Du coup, elle a grillé le premier feu rouge. On a passé un premier tunnel qui faisait une centaine de mètres. On est arrivé devant un deuxième tunnel où il y avait encore un feu rouge et elle a grillé aussi. Les deux premiers tunnels étaient assez courts, quoi. Et arrivé au troisième tunnel, j'ai dit, bah quand même, vas-y, arrête-toi là. Tu vois bien que tout est rouge et les gens derrière, ils nous suivent pas. On s'est mis sur le côté à un long moment. Après le deuxième tunnel, en se disant, bon, on va voir si des gens derrière arrivent ou pas. En fait, c'était des gens qui sont arrivés en face. Ils font les ballons. Et c'est là qu'on a compris, heureusement, qu'on s'est calé à gauche parce que le temps qu'eux, ils arrivent, il y avait des kilomètres de tunnel. Et heureusement qu'on s'est arrêté au deuxième tunnel parce que le troisième tunnel, il était interminable. Et on a vu un panneau comme quoi Il y a des horaires et le feu dure vraiment 10 minutes. À partir du troisième tunnel, on a filmé. Sinon, c'était trop joli. Non, c'était stylé. Mais ça faisait vraiment fin du monde. En plus, la nuit commençait à tomber. Là. Ouais. Il fait jour et tu finis le tunnel, il fait nuit. On est sorti, du coup, si jamais il y en a qui veulent prendre ce tunnel interminable, c'est avant les Levanto. Ciao. Pourquoi la glace, elle va en bas? La gravité, ça te dit quelque chose? Tu veux qu'elle coule en haut, la glace? Non, mais bon, ça devrait pas couler du tout, puisque ça fond pas. Bah si, ça fond. Mais la gravité, elle s'arrêtait là. J'ai filmé, là. Oh non! Je vais le mettre. Bon, bref, ouais, c'est le moment d'aller jouer. Aïe, je me suis éclaté le genou! Oh, capitaine, capitaine! Voilà. Vas-y, dis-moi. Plus. Encore à gauche. Plus. Encore à gauche. Plus. Oui, encore. Plus. Encore. Voilà, stop. Là, c'est vas-y, bon. Et maintenant, tu là, forces. Là, je tiens la oui, tour. Oui, là, là, tu tiens, oui. Ok. Oui. Allez, hop. Bon, on vient d'arriver à Pise, du coup. Et je pense qu'on va couper là pour ce vlog. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Direction Florence. Ciao.